Donc l'idée des états généraux sectoriels, c'est mettre tout le monde ensemble pour y venir parler, pour monde qui dans commission attendre, faire une écoute attentive, parce que monde qui dans commission états généraux, c'est pas des monde qui pourra venir faire une leçon démocratique avec secteur que pourra rencontrer après, mais c'est plutôt attendre. Et le ça, monsieur Alain, peut-être de ça, quel que soit secteur, tout ce secteur paysan. La conférence nationale, est-ce que c'est ça? Écoute, il y a un peu de monde qui parlait de mettre ensemble, de chuter ensemble, de parler plusieurs mots. Aujourd'hui, moi, je parle des états généraux sectoriels, puisque c'est ça que le président Jovenel Moïse dit depuis la campagne de la population. Mais il y a un peu de monde, c'est pas seulement tu vois, il y a de l'autre structure politique, même d'avoir exercé comme journaliste, qui a souvent dit qu'il faut qu'on fasse pacte de gouvernabilité, il faut qu'on chuter ensemble. Mais ça, pour téléspectateurs, métropole, téléspectateurs qui se retrouvent, c'est que l'espace état généraux sectoriel, là, c'est pas un espace que tu parles de partage de gâteaux. On parle d'une histoire comme si nous allons discuter avec les gens qui sont dans le pays, des bails qui sont allés jouer. Mais c'est plutôt des femmes et des garçons qui comprennent qu'il y a des sacrifices qui ne sont pas trop grands pour faire pour le pays, qui viennent chiter ensemble pour mettre à l'écoute tout secteur de pays pour nous dire qui ça fait ça pas marcher. Qui sort, qui ça explique ça pas marcher. Donc, pas de possibilité de table. Non, écoute, je veux dire, c'est remettre en question tout les gens que nous avons mené le pays. Parce que c'est anormal pour des gens qui. Quand on voit, et puis depuis le monde de ce pouvoir, il y a des instabilités. Il y a des gens qui ont tout aller. Côté monde qui monte ce pouvoir, il ne veut pas gagner tant effectivement pour être capable de mener politique. Et on va regarder toujours dire la même question politique. Je veux dire, on va raconter combien de structures politiques. Et là, il y a élection, ça veut mettre la population en situation où elle ne peut pas choisir parce qu'elle vient trop devant. Je veux dire, il faut que nous posions tout problème là. Et mécanisme, c'est pas moi qui a bêté, c'est peut-être la commission, chaque y a discuté ensemble, vous regardez méthodologie. Mais l'idée, c'est mettre ensemble, chiter ensemble pour nous regarder qui modèle Haïti que nous faisons. Parce que dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, ni moi, ni vous, nous ne pas là. Mais qui modèle Haïti que nous appliquons pour Timoun nous? Est-ce que je dis espoir au Timoun, c'est quitter le pays pour la joie de l'autre opportunité dans l'autre pays? Moi, je me souviens dire chaque fois que je parle des états généraux, pas de aucun pays qui c'est Canaan. Canaan, c'est la Bible. D'un côté, un pays côté l'État qui est la poule. Tout pays sur la planète Terre, là, il y a des problèmes là. Quel que soit ici qui traverse là, notre pays là, des opportunités, pays ça a tous des problèmes, mais nous-mêmes, pour que ça ne soit pas capable, mettez-nous ensemble, mettez-nous d'accord pour nous dégager des synergies positives dans le pays, pour nous capables de créer un Haïti pour qu'il fait bon de vivre, côté un jeune qui finit l'école, qui n'a pas besoin qu'on ait le droit de vivre pour entrer dans la faculté. Je veux dire, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, juste avant que nous continuions, Tamara, il y a une petite erreur commise par moi qui est à corriger, c'est que l'émission d'aujourd'hui se fait, comme toujours d'ailleurs, en deux parties, mais à la différence, c'est avec deux invités. Tamara Orion, qui est porte-parole de la présidence, et Amary-Joseph Noël, qui est représentant d'organisation de la société civile et actuelle porte-parole du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation. Donc, il fallait corriger cette petite erreur. Tamara, est-ce que dans logique de recevoir doléances des secteurs, si par exemple le secteur paysan t'a dit à comité de pilotage là, t'a dit en quelque sorte à président de la République là, que président, question caravane de changement, je parle, hein, on va parler pour paysans et aussi, je t'ai dit, c'est de la poudre aux yeux, c'est gros ventilapui. Quand tu es sous bagage, ça, est-ce qu'il y a une possibilité de venir à écoutez, vous rappelez que nous avons dit tout à l'heure, la commission, le comité, on parle rencontrer avec le secteur. On ne peut pas dire que tout bagage bien, on ne peut pas dire que tout est rose dans le pays. Mais on peut toucher plein à du doigt, on peut expliquer. Et à la commission, on peut jouer, ça me capable de un rôle d'écoute. Il y a peut-être des propositions à venir. Et le président de la République, là, lui-même, il peut gagner un mail. Des recommandations. Donc maintenant, me demande si et si, je ne suis pas capable de faire des avancées pour me dire, yeah. Président, est-ce qu'il a campé, est-ce qu'il n'a pas campé, parce que je ne peux pas parler seulement de la famille, je parle de toutes les recommandations. Et le président Jovenel Moïse, il parle des recommandations, mais c'est lui-même qui parle, comment il parle. Et ça que je suis sûr de lui, c'est que le président Jovenel Moïse, garant bonne marche institutionnelle, s'il entre dans la voie ça, dans la voie mettre ensemble les états généraux sectoriels et mettre ensemble Haïtien pour parler génager, c'est que lui voulait quitter en Haïti, côté monde qui a bien appelé là, a bien en Haïti stable pour lui capable de continuer à diriger. Donc c'est pour dire aujourd'hui, hein, l'on va regarder
caravane du changement, les réalisations de la caravane, et soit allemand des hommes de campagne, est-ce que caravane de campagne, je crois que la d'accord avec vous. Pourquoi moi, nous n'avons pas créé ce caravane de campé, parce qu'on a d'accord avant, est-ce qu'on a créé ce caravane de l'Artibonite? Et ouais. Écoutez, on a parlé de la caravane de l'Artibonite, nous pouvons que nous spécifions de la vallée de l'Artibonite. Parce que, nous, pour nous porter pour téléspectateurs avec téléspectateurs, 1er mai 2017, la caravane n'a pas lancé de l'Artibonite, dans le département de l'Artibonite, mais plutôt, il était lancé dans la vallée de l'Artibonite. Et c'est ça que fait. Chaque fois porte-parole de la présidence a pris la parole, il était souvent dit, mais combien de kilomètres canal qui irrigué, mais combien de kilomètres canal qui drainé, mais qui route agricole. Donc, on ne peut pas dire que nos communes ont telle activité dans nos communes. C'est combien caravane tout département net depuis 7 février 2018. Comme nous avançons sur caravane un petit peu avant l'heure. Ben, oh, non, il n'y a pas de problème, c'était seulement. Nous devons tous être même. Il n'y a pas de problème. Caravane changement dans l'Ouest. Moi, personnellement, en tant que citoyen, je. Bon, et monsieur Alain, excusez, mais on connaît l'Ouest, ça pas seulement Port-au-Prince, Delma, Tabar, Pétionville, lycée à la fois les vraies communes et lycée pour toute notre section communale. Bon, je ne peux pas permettre que moi fais un bon scoop matin, c'est pas de voler la fenêtre là, mais gagner des conférences de presse qui va le faire dans tous les départements du pays avec les délégués départementaux, TPTC, le directeur départemental TPTCO. Capable d'expliquer à la population que le matériel qui n'a même, je dis, parce que chaque délégué, chaque délégation départementale de PTC, je dis, il y a le matériel lui-même, et nous, on est capable de commencer les routes prioritaires, parce que chaque département, à travers la délégation départementale de PTC, il y a 100 km de route pour construire par année. Et je dis, comme on conférence de presse au niveau du Palais national, il y a un directeur départemental de PTC l'Ouest, qui va expliquer à la population, mais qui, sans premier route, pour priorité, ou département de l'Ouest. Et la fête, au fur et à mesure, la fête pour le département centre, la fête pour le département Artibonite, la fête pour le département NIP, tout le département pour la population, le monde qui est dans le département connaît qui, route qui prioritaire, dans 100 premiers kilomètres route, parce que le président Jovenel nous dit, dans 4 entretiens, il faut que nous construisions 4000 kilomètres route asphaltée en notre pays. En nous retournant sur l'état général sectoriel, nous voyons que tout de suite après l'installation du comité A, qui vient 23 personnalités connues, reconnues dans le pays pour engagement, le comité ça a perdu des dents. Passez-moi l'expression. Côté que gagnait Claude Moïse, monsieur Claude Moïse, qui fait qu'on est que ses voix par voie de presse informée, et plus près de nous, Jacques-Édouard Alexis, ancien premier ministre, fait qu'on est que il n'est pas bien imbu de non-monde qui figurait sous liste de personnalité qui fait partie du comité, ça. Est-ce que, par un malaise qui est créé là, au sein même de l'exécutif, le président, en grande pompe, installe un comité et des personnalités qui font connaître qu'ils n'ont pas consulté d'autres mal informés? Écoutez, je ne vais pas entrer dans le détail sur la position aux citoyens avec leurs citoyens, parce que c'est le bagage qui était intime avec le citoyen. Il doit dire qu'il n'est pas chita sur une table avec X ou Y. Ça, c'est lui. C'est le citoyen, c'est l'homme pour rentrer dans le détail. Ça. Mais ça me dit matin, c'est que je dis, il faut que nous suspendions si garder individus, en nous garder institutions, en nous garder structures. Parce que le monde a passé. Structures, institutions, il faut que nous garder. Qui sa institution ça, qui sa structure ça capote en plus pour pays. Parce que les 23 mois, 22 mois, 10 mois, 5 mois, 7 mois, qui d'accord pour y faire un sacerdoce, pour y mettre ici ensemble, pour y attendre, pour y dialoguer, pour y chiter ensemble, ça c'est une initiative qui doit. Mais c'est vrai que les gens qui ont dit beaucoup, ça c'est qui se mettait, pas mettait, qui a toujours gagné des problèmes comme ça qui a péché. C'est capacité nous notre nous comprendre que si c'est pas madame Ogun est capable monsieur Alain c'est pas monsieur Alain qui est capable l'autre monde mais en nous garder qui ça structure ça capable porter tout plus au pays parce que je dis le fait que pas des sujets tabous le fait que je dis tout le monde capable bon espace pour exprimer parler ça fait au mal pendant 30 ans 40 ans 50 dernières années mais 200 l'année passée c'est un espace qui montrait que la population que monde ou bail mandat pour diriger là li fort confiance li voulait quitter en Haïti côté ou même pour faire pour état c'est ça que me répond sur question là.
n'a pas quitté les États-Unis pour nous retourner sur le caravane parce qu'il était effleuré. Dans le A, qu'est-ce que 24 sur 24, dans 24 mois, nous pas dans intervalle ça encore. Il est à peu près 17 mois, en quelque sorte, depuis que le président a fait déclaration ça. Est-ce que le toujours qu'un B? Quand on parle de, est-ce que promesse ça toujours qu'un B? Oui, est-ce que le président pourrait toujours, alors que nous 17 mois seulement, que la privée baille payant pour 24 sur 24. Travail qu'a fait, il y a travail qu'a fait dans les hauts réseaux, il y a travail qu'a fait dans le travail qu'a fait dans le il y a évaluation au départ qui était déjà fait là, des centrales hydroélectriques qui n'ont pas fonctionné du tout, qui étaient délégées, qui étaient bonnes, montrer que je dis hein, que gagner avancé qui a fait pour promesse la respecter. Mais gagner un accent pour la parler de question accès à l'énergie 24 sur 24 là, c'est que je dis hein, gagner ANACIM, qui c'est l'autorité qui a régulé le secteur énergie, mais gens de Conatel a prévu le secteur communication, pour que je dis hein, quel que soit monde, qui a un problème, il est capable d'investir dans le secteur si il veut. Mais on va investir dans le secteur avec de bonnes conditions. L'énergie qu'on va produire, on ne va pas le produire avec gaz, mais on va produire avec énergie propre. Ça qui est les vents, ça qui est le soleil, ça qui est les l'eau, ça qui est biomasse avec FADRA. Et il y a plusieurs communes dans le pays pour même commencer à gagner l'électricité. On va parler de communes Bombard de Police, on va parler de communes Pont Saint-Nicolas. C'est des crimes privés qui appellent à la manifestation des terres qui sont faites, et puis ils ont même posé, ils ont bidé, puis c'est eux-mêmes qui passaient pour les communes. Et appel à la manifestation des terres pour les villes, ça qui intéresse nous, parce que les villes qui peuvent intéresser nous, on est capable de dire c'est le bas, c'est le bord, qui allient même consommer 80% de notre énergie que nous avons besoin pour nous capables de payer un marché, de commencer le bois neuf, aller au gagne, passer par le sport, c'est tout bas, c'est ça. Et bien, appel à la manifestation d'intérêt pour grandes villes, ça y est, en fait, avant longtemps, et c'est ANACIM qui a piloté question ça. Et si des potentiels, excusez-moi, et si des potentiels hommes d'affaires ou investisseurs mettant du ça par le président en question énergie, il va t'apprendre. Non, c'est ça. Il va raté, et électricité 24 sur 24 dans 24 mois. Écoute, moi-même, Mathieu, je ne vais pas parler de. Ici, parce que, écoutez, aujourd'hui... Je vais l'expliquer. Il y a une raison qui fait des gens qui ne veulent pas investir en Haïti. Mais pendant que des gens qui ne veulent pas investir, mais des gens qui ne veulent pas investir. Je dis, comment question énergie arrive, monsieur Adi? C'est que, ou produit courant, ou vendre, ou toucher pour payer l'État. Maintenant, c'est le contraire. C'est pas où vendre l'État et pour obtenir l'État payé. Je veux dire, où venir, c'est Port-au-Prince qui est intéressant, mais pas un problème, ou produire pour Port-au-Prince, ou produire, ou distribuer, ou venir pour faire recouvrement. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ça qui a fait dans les IWA, c'est des films privés qui font. Il y a vent, il y a soleil, et bon diesel, et bon batterie, tout par contre. Aujourd'hui, il faut qu'on dise à la population que courant qu'on a besoin, pour attendre 24 mois pour gagner courant, et bien, il y a l'autre comportement pour gagner. Pour payer courant, pour joindre courant. Parce que courant pas gratis, États-Unis, République Dominicaine, ou pas payer, il va couper courant. Donc, je dis, il faut qu'on commence à dire à la population, c'est vrai, grand pile travail qu'on a fait pour permettre que des liens. En contrepartie, ou même là, je ne courant, il faut couper elle. Donc, et si il y a des gens qui ont, est-ce qu'ils n'ont pas investir si ils ont raté des liens, l'État. Il a fait tout ça capable pour être capable de bailler énergie avec la population parce que c'est inconcevable, c'est anormal. Pour un pays, nous, en 2018, pour courant, si nous avons besoin de bailler, pendant qu'il y a des autres pays, nous ne pas comprendre qu'il y a une question pour un courant. L'effet noir est anormal. Je veux dire, il faut qu'on commence à parler avec la population pour nous dire que courant, pour bien accès à clé, ça fait même parler de questions d'électricité, on dit accès à l'énergie parce que le cas disponible ou pas bien accès à clé. Parce qu'on ne peut pas mettre tout en position pour bien accès. Il y a des dossiers que l'exécutif, la population n'a pas senti intérêt manifesté par rapport à lui. Par exemple, lors de la recrudescence de l'insécurité, nous attendons l'exécutif formellement sur question ça, et ceci rapidement. C'est un phénomène de société, depuis longtemps on a vécu, et en pile haïtien, la plupart jeunes,
qui pourrait aller au Chili, en Argentine, au Brésil, nous patenter des politiques mises en place par l'exécutif pour freiner hémorragie, ça, fuite de cerveau qu'a fait. C'est-à-dire, en pile sujet important qui agitait société A, nous patenter exécutif l'en souli, et l'un d'entre eux, c'est à pied joint que nos discours, on y se passe sous lit, le président de la République, nos discours au Parlement, par exemple, il passe sous lit, mais il part en préoccupation. Ça fait ça. Vraiment. Écoutez, tout sujet, tout dossier, toutes ces préoccupations. Pas bien que le président Jovenel, oui, c'est le premier citoyen du pays. Il gagne, ça me t'a capable de voir le résultat. Le problème qui gagne dans le pays, c'est le même côté pollution. Mais tout sujet qui est dans le pays, le président ne peut pas afficher une forme de sensibilité par rapport. Ce n'est pas le fait que, par exemple, oui, pas gagné, il y a une parole qui dit, qui fait comprendre que vous formez des sensibilités. Parce qu'au niveau du pouvoir, vous la portez solution. Et pas qu'à l'État pour appliquer rien. Pour des jeunes qui ont parti quitter le pays pour aller au Chili, même si vous dites, parti, il était à discrétion. Il y a des gens au pays, aux États-Unis d'Amérique, il y a des Américains qui étaient aux États-Unis, qui vivent au Canada, qui vivent dans les autres. Mais je veux dire, il faut voir la commission d'intégration de la jeunesse. Il y a des travaux que la commission a fait pour garder aux jeunes qui gagnent un projet, qui ont envie de montrer un business, qui forme d'accompagnement, qui est au cabal. Je dis, est-ce qu'un jeune de Jean-Marie Napalène qui est très dans l'État? Mais il faut que nous d'accord que l'État seulement pas qu'un seul pouvoir d'emploi. Il faut gagner des mécanismes qui créent un pays pour permettre que le monde qui est comme nous investit plus et bien plus de travail. C'est toute déviation ça, qui est dans l'État qui fait que la solution est. Il a fini au fur et à mesure, mais ce n'est pas en forme de désensibilité que le président de la République a affiché à quel que soit le dossier qui a passé à l'autre. Tamara, on a participé dans une réunion au Palais national déjà sur le remaniement éventuel du cabinet ministériel. Une réunion faite. Non, vous posez une question spécifiquement. Spécifiquement, non, je ne pas participer dans des réunions comme ça. Mais ça que je me suis dit sur la question du remaniement, c'est que la consultation va continuer. La perspective pour le remaniement, mais donc, cela, le sujet, attendez, que... bon débat sur ça. Écoute, le sujet est là. Le sujet est là. Attendez, mais nouvelle, là, puisque moi, ma qualité de porte-parole, c'est nouvelle nouveauté. Est-ce que vous comprenez? Nouvelle pour remaniement, bourguer, puisque consultation, c'est au moment où on a. OK. Donc, bon, insatisfaction quelque part au niveau de action gouvernementale. Écoutez, nous pas qu'à parler d'insatisfaction, parce que là où sont l'État au bord de bord de l'État, on va toujours chercher plus de formules là, pour les résultats. Écoutez, ou pas qu'à, je dis, il y a des collaborateurs qui travaillent avec, ou pas qu'à mettre mot ça sous les. Mais dans toute équipe, il y a des changements. Est-ce que c'est parce que jouer à mal, je veux faire, ou insatisfait, mais pas pour match football. Quelle que soit l'équipe qui a joué, il y a une période qui arrive sur le terrain, on est obligé de faire changement. Même si tu as mené 3-0, même si tu as mené 4-0. Même si tu as mené sur tout, bon moment privé, on va faire changement. Parler de l'AS Roma en Barcelone. Non, et non, donc, on parle de Real. Oui, alors, et nous avons retourné encore sur perception d'insensibilité que certains mondes ont gagné et qui est installé au niveau de l'exécutif. Vladimir Le Gagneur gagnait, ou elle, sur les réseaux sociaux, en pile monde qui reprochait le président de la République personnellement du fait que gagnait, par exemple, un incident, un accident, un drame qui passait au Canada, au Brésil et même en Syrie. Le président a un tweet qui fait sourire à la minute. Alors que Vladimir Le Gagneur, depuis mars, non, 14 mars, si mémoire nous bon, il porte disparu. Ce n'est que récemment, vraiment récemment, cette semaine que le président a un tweet. La question, nous battons. J'entendais exécutif là sous ça qui nous capabrerait en retour dans le passé. Parce que c'est par le passé que les journalistes qu'on a disparu tout par ouais, yo. C'est par le passé qu'on a parlé d'un pays en guerre des zones de non-droit. Eh bien, au 21e siècle encore, il paraît
que tu as gagné des zones de non-droit en Haïti, président, c'est n'est que récemment, nous ils font un truc. Alors que, question de ne pas être longue, il gagnait 1, 2, 3, 4 journalistes au moins, 4 anciens journalistes de carrière, de grande envergure, qui bocotent. Voilà que, ils ont une situation, ils écrabent, frappés, corporation, nous pas tendé. Comment expliquer ça? C'est pas que. Parce que les gens ne disent pas que le pays de la montagne par rapport avec la PDA. Le président journaliste est un peu capable de parler avec le CSPNL en sachant que le pays est beau en fait la valise. Le président passe quelque temps pour ne pas continuer sur l'enquête qui a fait. Le président va tout point à CSPNL à travers la police nationale, puisqu'il est au niveau de l'État beaucoup compliqué. Situation fait, on a parlé de questions de sécurité, pour permettre que l'autorité policière le domine. Mais ce n'est pas que le président s'estime. Pas bien que le président de la République ne laisse pas avoir trois victimes à l'île de garçon. Donc, ça a passé un dedans, le président Jovenel comme père de famille, permettre que de temps en temps, il y a informé le bon côté de l'autorité policière de la République. Et pas qu'il y ait un effort qui était ménagé ou autorité policière de la République. Qu'est-ce que ça fait pour venir? Même j'ai dit à corporation journaliste, que nous toujours la donne, ce que tu as l'ordre dit, quand on est journaliste, mais nous toujours journaliste, sauf que nous pas qu'à exercer métier. Mais le président Jovenel Moïse connaît toute l'importance que la presse l'a joué dans la construction de la démocratie. Et c'est parce que le président Jovenel Moïse conscient du contre-travail journaliste, ce qui fait le monde a communiqué pour lui, c'est quatre journalistes. Donc c'est pas que les grandes formes de sensibilité que ça crée. Je comprends que je suis capable de dire, conscient de la presse, tu as besoin de journalistes qui sont actifs sur Twitter, qui a pris des positions, mais comme président de la République, il connaît que ces moyens pour lui mettre à disposition l'autorité pour être capable de faire travailler et lui-même, il prend engagement pour lui faire ça. Mais le président Jovenel Moïse n'a pas aucune forme de sensibilité à sacrifier la disparition journaliste. On nous touche au dernier point, Tamara Orion, qui a un rapport avec la MINUJUST, qui est une mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. N'a pas retourné un discours président est prononcé le tape état de la nation devant le Parlement. Et une phrase qui fait attirer en pile monde et en pile monde Nabilaï applaudit le président qui fait déclaration ça, c'est que Haïti prend destin en main. Et comme signal nous t'ai ouais le t'ai gagné sommet des chefs d'état de la Caraïbe à Port-au-Prince, madame Page Andy Page, qui c'est chef mission, qui font une déclaration que le gouvernement a estimé que tu es malencontreuse à l'époque, parce que tu es bon sommet en Haïti, on a projeté une belle image, pas de cas bon, déclaration qui vient détruire l'image là. Je dirais que le gouvernement est vexé et il y a des notes qui sont sorties de la part du ministère des Affaires étrangères, le premier ministre en personne qui a déploré ça à travers une conférence de presse. Tout le monde t'a applaudi ou t'a dit « Ah, bien là, Haïti a pris destin en main » parce que c'était peut-être pour la première fois après 1986 le bon gouvernement qui campait, qui contre une déclaration qu'un étranger fait et pas n'importe lequel, c'est un étranger dans l'ONU. Récemment là, il y a un conseil de sécurité de l'ONU qui renouvelait le mandat de MINUJUST alors qu'au niveau de ratifier alors, il est beaucoup ratifié. Document, et pour ta, rendre MINUJUST officiel souterrain pour commencer le travail. Donc, nous, là, gagné une incompréhension totale. Document beaucoup voté au niveau du Parlement. MINUJUST est en renouvelant. Bon, écoutez, ce que je peux dire, c'est que pour le Parlement n'est pas capable d'obtenir ce procédure pour voir lire les liens. Qui a fait ça là. Mais dans tout le monde, dans notre pays, dans notre continent, il n'y a pas de problème. Le gagner deux ans, trois ans, il y a des marchés qu'il a fait par un qui lui-même, puis des guides qu'il fait au bois de pays. Il y a le soutien. Même j'entends tout le monde qui a fait des cannes de mes fois. On nous regarde Haïti, je dis, hein, qui fait toujours dans le système économique, qui a soutenu le temps. Parce que ce
souvent, nous mettons nos conditions côté ces blancs, ils mettent l'ordre dans les autres. Nous pas qu'à comprendre nos conditions. Donc, il y a deux partenaires qui sont bien aidés. Nous, il y a les mêmes des pays isolés. Aujourd'hui, nous, c'est le fait de la volonté de renforcer la question de la justice. C'est vrai que Mission de l'Union, lui, pour nous, le condamne, mais pas oublier que la fouchette que tu as faite là, elle avait fait appel à ma mémoire journalistique, la fouchette que Minus Lili et Modal Philippe le remis dedans, c'est que notre tête, Conseil de sécurité de l'ONU, par rapport à ce que le document vous promet. Ça, quel bon côté, je ne sais pas, mais ça que je suis capable de dire à la population, hein, ce n'est pas le fait qu'il y ait des structures dans l'international qui viennent aider nous, pour nous comprendre que le lit n'est pas indispensable pour nous commencer à entendre entre nous, pour nous prendre des ténors en nous. Parce que je dis à nouveau président qui dit, faut que nous sortions de l'assistanat, mais il faut que nous capables de développer nous. Nous sommes capables de nous, il faut que nous ayons capacité de nous dire nous sommes capables de nous. C'est dans ça que nous devons investir. C'est dans la chaîne ça que nous devons investir, mais ce n'est pas nous qui avons dit que nous sommes comme là. Pour moi, c'est fait ça, ma baou, mais c'est nous qui avons fait ça, ma baou. C'est en Haïti, je dis, qui est capable de discuter pour ça, le blé. Les partenaires, nous, ont toujours aidé nous, mais ce n'est pas des formules qu'on a dit que ça n'a pas dit à pas mal avec ça. Alors, question maintenant, c'était pour dire, mission a semblé échapper au contrôle des autorités haïtiennes. Et avec un président, je vous ai dit, ça n'a pas échappé. Tamara Oyon, je dis à la, sous qui grand dossier exécutif, là encore, l'État central de la travail, sous qui grand dossier. L'État central de la travail. Ouais. Écoute, parce que, non, puis le monde qui estimait que le gouvernement est amorphe, gagnant léthargie, on sommeil, on grand sommeil. Il y a un peu moins l'impression pas grand rien qu'a fait véritablement. Son impression parce que, écoutez, l'homme au pays, qui a pas de l'esprit avec le chef de l'État, le chef de l'exécutif, c'est pas le fait qu'on va faire des bails chauds, ou de temps en temps, on va montrer que des bails qu'on a fait. Aujourd'hui, à travers la caravane du changement, le travail qu'on a fait. Moi, même le caravane de l'État, la palette de la Philippe, il est rendu tout, ah, moi, je vais passer la tibonie qui va en venir. Effectivement, on va mourir, parce que tout simplement, ça va faire que je vais faire son route nationale. Je dis, un caravane, il est dans tout pays, il y a des gens qui disent, bon, pas sentir, il y a toujours un caravane occupé, un caravane n'est pas là, mais écoutez, aujourd'hui, toute délégation départementale de l'État est occupée en équipe lourd. Donc, il y a travail pour être capable de garder qui route prioritaire, parce que je dis, tout directeur départemental de l'État est sur le RR, mais après, et 3, 4, 5 mois pour commencer par le bilan, sauf fait. Je dis alors que 10 départs par exemple, un paquet de travail que 10 départs fait dans le du pays pour être capable de garder comment on va mettre le système d'adduction d'eau potable là. On s'est dit anormal, M. Allen, bon, il y a tout le monde, on a marché 2 à 3 km pour la longue source pour la lève. Aujourd'hui, la question de la construction des barrages hydrauliques, c'est une priorité pour l'État. Parce que c'est anormal côté bon, il y a cap débordé, cap revenage à des mondes, cap couillez-vous. Capouille et puis pas qu'à mon barrage, et puis l'air est sécheresse, et puis j'en ai pas qu'à irriguer. Aujourd'hui, toute urgence, question éducation, question santé, question tourisme, toutes ces priorités pour l'État. Mais c'est pas que gagner on l'État, on sent peut-être une hauteur, de pas sentir le gouvernement. Non. Aujourd'hui, il y a un peu de monde qui dit faut que je change X, faut que je change Y, parce que il y a senti que le monde ça pas avancé. Aujourd'hui, il faut aussi. Et donner la chance à ces personnes d'effectuer leur travail. Tamara Oyon, merci. Merci, M. Allen. C'est un plaisir de participer avec vous. Toujours avec même disponibilité. Hein. Chaque fois, votre parole, la présidence de l'espace, nous sommes capables de parler avec la population pour nous expliquer ça et après régler dans l'État. Parce que le lien des interventions qu'on fait sur des thèmes que vous ne pouvez pas maîtriser, nous dit n'importe quoi. Et ça fait faiblesse tout. Ça fait régler dans l'État. Mon dernier. Question. Au président Jovenel Moïse. Vous avez des questions pour la route. Ah oui, trop la route. Et Jovenel Moïse, sans véritable opposition, comme on a vu ça. Sans véritable opposition? Mm-hmm. Écoutez, moi, appelez-moi. La voix contentement, non, parler comme lui. Non. Écoutez, Gay Wout, on parle à plein de pièces qui dit ça. Il dit que si on parle d'une opposition, il faut qu'on invente. Écoutez, président Jovenel Moïse, pas un président, je veux dire, qui a dit qu'il est là pour les tous, sans l'opposition. Écoutez, il faut voir quelle quantité de monde qui peut voter président Jovenel Moïse. Donc, quantité pas de voter, mais pour quantité que tu votes. Je dis, ni ça que tu votes, ni ça que pas de voter, le livre de voir de résultats. Et aujourd'hui, au niveau de la République, voit tout le monde compter. Et si nous apprenons
appuyer sur les États généraux sectoriels. Puisque ce qu'on va faire, que vous allez dire président Jovenel Moïse, bon, ou son président, son beau garçon, tout ça, on va toucher la plaie du doigt. Donc aujourd'hui, le président Jovenel Moïse est conscient de la responsabilité, et c'est ça qui fait, chaque jour passé, la travail pour être capable de porter solution à problème qui est dans le pays. Encore une fois, merci Tamara Aurion. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre première invitée, c'était le porte-parole de la présidence, Tamara Aurion. Le second invité, Amary-Joseph Noël. Restez branchés, on revient après la pause.